C'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On commence par un premier hommage à Benny Goodman, disparu à New York le 13 juin 1986. Il avait 77 ans. Ce clarinettiste, et aussi saxophoniste par instant, chef d'orchestre bien entendu, il avait débuté à l'âge de 11 ans. En jouant à la synagogue familiale et à 13 ans, il s'inscrit au syndicat des musiciens. C'est alors qu'il commence une carrière chez Ben Pollack et puis en 1929, il rejoint la petite formation de Red Nichols qu'on a écouté précédemment dans l'autre semaine. Et c'est en 1932 qu'il organise son premier orchestre. Et là, il devient la vedette d'une émission de radio qui est diffusée sur la côte Est et également sur la côte Ouest. Donc c'est sur tous les États-Unis. Il s'intitule Let's Dance, qui laissera d'ailleurs le thème de la formation de Benny Goodman. Et là, c'est le commencement de la notoriété. Il joue aussi bien en trio, grande formation, en quartet, en quintet. Il a participé à de nombreux films, dont un film qui retrace sa vie, qui s'intitule The Benny Goodman Story, en 1955. On va écouter le roi du swing, comme on l'aimait à l'écouter, à le dénommé, avec une séance cette fois-ci en quartet, certainement l'une des révolutions à l'époque. C'était le 18 novembre 1936. Il réunissait pour les studios Victor Benny Goodman, donc qui était à la clarinette, et il réunissait Teddy Wilson au piano, Lionel Hampton au vibraphone et Gene Krupa au drums. Écoutons ce magnifique Sweet Soul Just You qui a été l'un de ses grands succès. Benny Goodman. Thank you.
Radio Quartet, vous écoutez Jazzomania sur RVL. On vient d'entendre en hommage à la disparition de Benny Goodman le 13 juin 1986. Il avait 77 ans. Et là, c'est un enregistrement pour Victor à New York le 18 novembre 1936. Le roi du swing était accompagné par Teddy Wilson au piano, qu'on a entendu abondamment. Il remplace allègrement le contrebassiste. En même temps, Lionel Hampton était au vibraphone. On l'a lui-même entendu. Et puis, pour assurer tout cela, le rythme effréné de Gene Krupa. Un très grand quartet, le quartet Black and White. Deux noirs, deux blancs. Et le tout était réuni avec plein de talent. On va passer à la page blues maintenant avec un hommage à Joseph Benjamin Utoh, plus connu sous le nom de Jimmy Utoh. Disparu le 12 juin 1983 à Chicago, il n'avait que 57 ans. Il avait commencé à jouer en Géorgie, sa contrée natale, et puis c'était dans le groupe de gospel familial. En effet, ils étaient 7 enfants dans cette famille. Puis en 1949, à la mort de son père, eh bien, la famille déménage à Chicago. C'est alors qu'il est déjà admirateur d'Elmer James et il commence sa carrière en poursuivant, eh bien, on va dire, le même répertoire que son idole. Puis en 1965, il enregistre pour Vanguard une séance qui commence à le sortir un petit peu de l'anonymat. Et puis, il participe à de nombreuses tournées, il fait des festivals. Ce spécialiste du bottleneck qui a vraiment quelque chose, beaucoup de talent. Et puis, il instaure un climat avec une voix bien particulière. On va s'en rendre compte avec cette session qu'il a enregistrée à Chicago en juin 1966, où il était accompagné notamment par l'harmoniciste Big Walter Horton. Retrouvons J.B. Utoh nous interpréter une de ses compositions, Le Rebel's Air. Du vrai blues enregistré à Chicago
En hommage à Joseph Benjamin, dit Jimmy U2, est décédé le 12 juin 1983. Il n'avait que 57 ans à Chicago. Sa vie de prédilection, on l'a entendu avec Johnny Young à la guitare, l'excellent Big Walter Horton était à l'harmonica, Lee Jackson à la basse, et puis un drummer qui a fait des centaines de séances pour divers labels, il s'agit de Fred Billow. On va continuer avec nos hommages, cette fois-ci à un flûtiste et également saxophoniste, mais qui s'est orienté vers la flûte vers la fin de sa carrière. Il s'agit de Sam Mose, disparu le 13 juin 2013. Il avait 82 ans à Los Angeles. Il avait commencé sa carrière, il n'avait qu'à peine 18 ans, et il est engagé chez Tommy Dorsey entre 1948 et 1949. Puis, il passe dans la formation de Don Runman. Son premier enregistrement date de 1953 avec sa propre formation. Puis, il joue chez Matt Matthews, l'accordéoniste bien établi à cette époque, dans les années 50. Teddy Wilson l'engage en 1957. Ensuite, c'est Teddy Charles en 1958. Donc, vraiment de très bons musiciens. Et puis, il passe 4 ans à partir de 1959 chez Buddy Rich. Son travail en studio en fait de lui un musicien, on va dire, tout terrain. Il sait tout faire et il est doté en plus d'un niveau technique hors norme. Je vous propose de le retrouver en leader avec un complice de cette époque dans un enregistrement de juillet 1956 pour le label Bethlehem. L'album s'intitule Musically Yours et il va retrouver le pianiste et également chanteur à 16 heures, un pianiste étonnant et fantasque, Bob Dorrow. Bill Crow à la contrebasse et Joey Morello, qui n'est pas encore avec Dave Brubeck, est à la batterie pour nous interpréter cette composition de Sam Mose qui s'intitule Obvious Conclusion. Thank you.
écouter Jazz Amel. On vient d'entendre en hommage à sa disparition Sam Moss, le flûtiste de ce morceau. Et c'est le 13 juin 2013, il avait 82 ans. On vient d'entendre une de ses compositions qui s'intitule Obvious Conclusion, qui est extrait d'un album Bethlehem qui s'intitulait Musical Yours, enregistré en juillet 1956. C'était l'étonnant et, on va dire, très très bon pianiste Bob Dorow qui était derrière les 88 touches. Bill Coore était à la contrebasse et Joey Morello au drums, qui rejoindra un petit peu plus tard Dave Brubeck. Dernier hommage de ce soir à un monsieur, un chanteur qui a eu une vie assez, on va dire, pas une vie pas calme du tout et empreint de vraiment de beaucoup d'incidents assez graves. Mais il a réussi à avoir, il s'en est tiré sur une fin de carrière qui est, on a reconnu enfin sa renommée sur le, on va dire, dans le monde du jazz, car il le méritait. Il s'agit de Jimmy Scott, disparu le 12 juin 2014 à Las Vegas. Il avait, c'était le troisième, d'abord le troisième d'une famille où ils étaient 10 enfants. Il s'initie au chant grâce à sa maman qui joue du piano. Et puis à 12 ans, à l'âge de 12 ans, il commence à chanter dans les clubs. Un an plus tard, eh bien, sa mère décède. Son père, qui menait une vie infâme, c'était un ivrogne reconnu, eh bien, l'abandonne. Donc il est en plus, à ce moment, tenez-vous bien, les malheurs s'accumulent, il est atteint par le syndrome de Kalman. C'est une maladie qui stoppe la croissance. Et en même temps, bien sûr, la mue de sa voix, eh bien, reste celle d'un enfant. Donc il continue à bien chanter, mais avec eh bien une voix qui est tout à fait étrange par rapport à son âge. Mais en 1948, eh bien, il arrive à rejoindre la formation de Lionel Hampton. Et en 1950, il effectue ses premiers enregistrements. Il enchaîne des enregistrements pour Rousse, pour Decca et Savoy. Il connaît ensuite alors une longue éclipse dans sa carrière pendant environ une quinzaine d'années. Et puis au début des années 90, là il revient. Et il revient au devant de la scène, sort quelques albums, et puis c'est là, comme je vous le disais, qu'on reconnaît enfin son grand talent. Je vous propose de le retrouver au début de sa carrière, dans une séance qu'il avait enregistrée le 1er août 1952 avec la formation L'Octet de Lucky Thompson, le saxophoniste ténor bien connu. Il va nous interpréter une très belle mélodie de Jérôme Kim et Oscar Hammerstein qui s'intitule Why Was I Born, qui a été un de ses premiers grands succès. À cette époque, il s'appelait encore Little Jimmy Scott. What do I care?
mériter cet hommage. Little Jimmy Scott, avec cette voix bien particulière, comme vous l'avez constaté, eh bien, cette maladie lui a, on va dire, peut-être rendu service, car il y avait un art vocal hors du commun, avec un son bien particulier. Décédé le 12 juin 2014 à Las Vegas, et on l'a entendu avec cet enregistrement pour le label Brunswick, enregistré à New York, le 1er août 1952. C'était la formation menée par Lucky Thompson, qui était au sax ténor, Gil Askey était à la trompette, John Sanders au trombone, Curtis Alexander était au sax alto, Clarence Williams au sax baryton, Ed Swanson était au piano, Peck Morrison était à la contrebasse, et Herbie Louvel était aux drums. Derrière ça, l'actualité cette semaine, eh bien, c'est le concert de fin d'année de l'école de guitare de Carole Morin, guitariste bien connue qui, eh bien, donne l'occasion à ses élèves de s'illustrer. Et ça va se passer au bistrot jeudi 15 juin. Jeudi 15 juin, donc jeudi prochain, à partir de 18h30, le bistrot, c'est 116 avenue René Coty. Eh bien, vous aurez le plaisir de voir quelques éléments des élèves de Carole Morin. Et puis, il y a même une collaboration avec l'école de batterie de Benoît Delaunay. Donc, c'est un rendez-vous intéressant pour, si vous passez par là. L'horaire est aussi adéquat, car 18h30, eh bien, vous aurez terminé votre travail au bureau et vous pourrez passer prendre un verre, toujours avec modération, au bistrot. Donc ça se déroule jeudi 15 juin à partir de 18h30. Et puisqu'on parle de guitare, eh bien, on va retrouver un album qu'on a déjà écouté dans l'émission, avec quelques plages, et on va retrouver le guitariste Julian Lage avec son dernier album intitulé Arc Light, qu'il a enregistré en trio, tout simplement, au Brooklyn Recording Studio en avril 2016. Écoutons ce beau thème intitulé Presley.
côté de Jazzomania, on vient d'entendre le guitariste Julian Lage, tiré de son dernier album Arclight. Il nous interprétait un thème de sa composition Presley. Cet album qui est paru sous le label Mac Avenue, un très bon label qui sort vraiment beaucoup de talent en ce moment. Kenny Wallolsen était aux drums et aux percussions et Scott Cooley était à la contrebasse. D'ailleurs, Julian Lage sera prochainement en France puisqu'il jouera mercredi 5 juillet au Duc des Lombards à Paris. Donc si vous passez par Paris, le Duc des Lombards, vous connaissez l'endroit. Eh bien, vous pourrez voir évoluer le trio de Julian Lage. On continue maintenant avec les nouveautés. C'est une autoproduction. Il s'agit d'Herman Mehari, un trompettiste dont on a déjà écouté un extrait de son album qui s'intitule tout simplement Bleu, qu'il a enregistré à Kansas City, au 81 Production Studio à Kansas City en septembre 2016. L'album vient de sortir, donc il s'est entouré de musiciens, on va dire, confirmés, comme c'est le cas du claviériste Aaron Parks. Je vous propose d'écouter une adaptation d'un thème de John Coltrane par Herman Mehari qui s'intitule Moment's Notice. C'est assez intéressant.
s'appelle Herman Mary. C'est un des thèmes qui compose cet album qui s'intitule Bleu, qu'il a enregistré pour en autoproduction au studio Sun 81 de Kansas City, et puis bien épaulé, on l'a remarqué, par le saxophoniste alto Logan Richardson. Aaron Parks était au clavier, Peter Schlob était au vibraphone, Rick Rossato était à la contrebasse, et Ryan Lee, qui n'avait pas fait le voyage pour rien, était à la batterie pour nous interpréter cette adaptation de ce thème de John Coltrane, Moment's Notice. On aura l'occasion de revenir bien sûr sur ce nouvel album, car c'est assez encourageant pour l'avenir. On va continuer aussi par, on va dire, une nouveauté qui est la réunion de Branford Marsalis, saxophoniste bien connu de la famille Marsalis, et du chanteur étonnant Kurt Elling. Je vous propose de retrouver cet album qui s'intitule Upward Spiral, qui est paru sous le label OK et qui a été enregistré à l'Ellis Marsalis Center for Music, s'il vous plaît, à New Orleans. Entre le 16 et le 19 décembre 2015, on va retrouver un très joli thème de Sonny Rollins avec une belle adaptation de ses deux compères qui s'intitule Doxy. We moved around a lot when I was a kid, cause my daddy was the traveling type. The last thing in the world that he'd like to do was to watch that box and smoke a pipe. Yeah, we lived all the and that's the reason why I got itchy feet and I want to kiss this down goodbye. The only thing I'll miss, yeah, after I'm gone, is this very special woman I know. She got a lot of ways to get me to stay, even though I really want to go. Hey, she wild, that doxy, fine and foxy. And why I'm kicking around and I want to kiss this town goodbye. So fly, 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 fly,
Wynton Marsalis, l'aîné de Wynton Marsalis d'un an, mais quand même l'aîné, eh bien, il est toujours en super forme et puis il est à l'aise aussi au sax alto, au sax soprano et au sax ténor, comme c'était le cas dans ce morceau, composition de Sonny Rollins adaptée par Kurt Elling, magistralement interprété. Et puis, eh bien, si on voulait se donner une idée de la valeur du scat de Kurt Elling, là, on en a la preuve avec ce thème intitulé Doxy. L'album est paru sous le label OK Records, il s'appelle Upward Spiral. Il est enregistré entre le 16 et le 19 décembre 2015 chez le papa Ellis Marsalis Center for Music à New Orleans. Joey Caldalzaro était au piano, il n'en était pas en reste non plus. Eric Revis était à la contrebasse, Justin Faulkner était à la batterie pour accompagner donc Kurt Elling dans la partie vocale et Branford Marsalis au saxophone, bien sûr, dans la partie musicale. On va retrouver notre premier coup de cœur du mois de juin, avec un guitariste, décidément la guitare est à l'honneur, et bien ces temps-ci, et on va retrouver notre ami Eddie Duran. On est bien content de le réhabiliter un petit peu dans cette émission grâce à notre ami Jordi Pujol qui vient de sortir un album qui s'intitule Jazz Guitariste et qui regroupe quelques enregistrements du guitariste. Là, on va le retrouver pour une session fantasy. L'album s'intitule Jazz Guitariste, justement. En février 57, il est à San Francisco. On le retrouve avec un thème de Neil Lefty, magistralement interprété par Eddie Duran, Why Not?
premier coup de cœur. Et puis cet enregistrement, cette réédition de l'album Fantasy Jazz Guitarist nous permet de retrouver des musiciens qui pratiquement inconnus ou oubliés, comme c'est le cas de Howard Yodun qui jouait de la clarinette dans ce thème de Nesli intitulé Why Not. Il y avait Dan Reilly qui était à la contrebasse et John Markham à la batterie pour nous interpréter ce thème, et on les retrouvera donc dans cette séance réalisée à San Francisco en février 57. On les retrouvera la semaine prochaine puisqu'ils sont coup de cœur pour ce mois de juin, et le deuxième vous le connaissez maintenant. Il n'y a pratiquement pas de commentaires à faire. On va retrouver Dana Kroll cette fois-ci. Moi je le prends comme cela, et eh bien elle rend un hommage, on va dire appuyé, à Django Reinhardt. Ce n'est pas une de ses compositions, mais c'est un thème qui était presque l'un des meilleurs que n'ait jamais interprété le génial Manouche. Il s'agit de I See You in My Dreams. Lorsque vous allez entendre la mélodie, vous allez tout de suite la reconnaître, et ensuite, eh bien, vous aurez l'occasion de vous rappeler un petit peu, puisqu'il y a dans cette plage, eh bien, un violoniste qui s'appelle Stuart Duncan, qui rapproche avec le jeu de Marc Ribot à la guitare, qui nous rappelle bien sûr Django Reinhardt. I See You in My Dreams, par la madame, eh bien, la reine du piano et de l'art vocal, Dana Kroll. C'est notre deuxième coup de cœur, vous le savez. Une parution chez Verve, l'album s'intitule Turn Up the Quiet.
thème, quelle interprétation. Diana Krall, c'est notre deuxième coup de cœur. Composition de Gus Kahn et Hisham Jones, ils n'ont pas perdu leur temps en faisant, en écrivant ce I See You In My Dreams. Enregistré pour Verve, l'album s'intitule Turn Up The Quiet, on le retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Enregistré au Capitol Recording Studio à Hollywood, en Californie, tout est réuni en octobre 2016. Cette fois-ci, c'est Tony Garnier qui était à la contrebasse, Karim Ridgkins était à la batterie, et puis on a entendu donc avec cet hommage, on va dire, comme je vous le disais, appuyé à Django Reinhardt et à Stéphane Grappelli, Marc Ribot à la guitare et Stuart Duncan au violon. Il faut savoir que dans la version originale interprétée par Génial Manouche, eh bien, dans cette séance, Stéphane Grappelli jouait du piano. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a valu à ce que ce morceau soit l'un des sommets de l'art de Django Reinhardt. On retrouvera en attendant, comme je vous le disais, la reine Diana Krall la semaine prochaine. On va retrouver un autre chef-d'œuvre avec notre ami Stan Getz, cette fois-ci avec l'album Focus. C'est un album qu'il avait enregistré avec Eddie Sauter, qui était l'arrangeur et le compositeur de tous les thèmes de cet album. Et puis, il s'était adjoint donc une belle section de violon. L'endroit, c'est le Webster Hall à New York, pour adapter, donc, justement, pour recevoir une quantité d'orchestres avec beaucoup de cordes. Et c'était un 14 juillet 1961. Ce n'est pas férié aux États-Unis. Steve Kahn au piano, John Neves à la contrebasse et Roy Hintz aux drums. Eh bien, c'est le jazz avec un grand J, avec une interprétation donc de ce thème d'Eddie Sauter qui s'intitule Air, enregistré pour Verve le 14 juillet 1961. Thank you.
Jazz Romantique clôture ce numéro 341 de Jazzomania ce soir, enregistré au Wooster Hall à New York le 14 juillet 1961, tiré de l'album enregistré pour Verve qui s'intitulait Focus. Steve Kahn au piano, John Neves à la contrebasse et Roy Hayes aux drums, entouré bien sûr et appuyé par la formation de cordes emmenée par Warren Schke. Ainsi prend fin ce numéro 341. C'était Jazzomania numéro 341 à la réalisation. Il a repris sa place, le magicien des ondes, notre ami Manu Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.